Moi, perso, j'ai fait l'animatrice. J'ai interviewé plusieurs élèves, plusieurs intervenantes. Et je trouve que ça s'est bien passé. Il y a des fois où j'étais stressée pour la première fois, parce que c'est la première fois que je pose des questions face à des adultes et d'autres personnes. Moi, perso, j'ai fait mes débuts en tant que perchiste. Puis, en fin de carrière, j'ai plutôt opté pour plutôt filmer. J'ai fait caméraman. T'as fait caméraman. Et toi aussi? Moi, j'ai essayé les deux. J'ai fait perchiste. Bon, j'ai vite abandonné quand je voyais que ça tremblait un peu. Et après, du coup, je suis resté caméraman. L'ambiance d'un tournage, ça se passe bien, plutôt général. Que ça plaît à beaucoup de personnes, c'est amusant, ça développe des connaissances, ça demande du temps, ça demande de la concentration aussi des fois, et ça demande de l'humour aussi. Oui, ça me plaît, je pourrais essayer ça plusieurs fois, ça me plairait pas d'y refaire, mais c'est pas le métier que j'aimerais faire. J'ai déjà une petite idée, mais ça nous a confirmé ce qu'on pensait et appris de nouvelles choses. Quand on voit un tournage se réaliser sur internet, on dit que c'est facile, ça prend pas longtemps. Mais quand tu te mets à leur place, tu te dis que c'est vraiment dur, qu'il faut rester sérieux des fois. Dans des moments, il faut rester sérieux mais rire aussi. Mais que c'est vraiment dur d'être derrière et devant les caméras. Tu as beaucoup d'action, tu te déplaces, c'est amusant, tu découvres d'autres univers. Donc c'est enrichissant à la fois. Oui, c'était bien d'aller à un endroit, puis il fallait aller à un autre parce qu'il y avait ici. Puis même le plateau télé avec tout le matériel et tout. Oui, ça. Ha 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 ha.